Lucinum corsicum. Boulet de Corse. Dit comestible. Chapeau hémisphérique à convexe. Ruguleux et finement velouté. Légèrement gras au toucher. Quelquefois craquelé. Comme c'est le cas pour ces deux exemplaires. Et souvent cabossé. De couleur brun jaunâtre à brun cuir ou brun fauvâtre et même brun noirâtre. Marge plus claire. Tube jaunâtre puis brun olivâtre. Port assez petit, jaune citrin, puis jaune olivâtre. Rosissant, puis brunissant au froissement ou aux blessures. Pieds renflés, durs, surtout vers le bas. Jaune citrin à jaunâtre clair vers le haut. Jaune roussâtre à rouille vers le bas. Recouvert de fines mèches ou granulations concolores. Puis brunissante avec l'âge. Chair blanchâtre à jaunâtre au centre. Jaunâtre plus foncé sur la périphérie du pied. Devenant rougeâtre puis lilacin grisâtre à la coupe après quelques minutes. Comme vous le constatez sur ces images. Puis gris brunâtre à noirâtre pour terminer. Saison, été, automne et début de l'hiver. Habitat, maquis et garrigues, méditerranéen. Pousse sous arbrisseaux, comme les hélianthèmes, les cistes ou les bruyères. En latin, hélianthemus cistus ou caluna et erica. Confusion possible avec Lucinum lepidum, qui pousse sous chêne vert et chêne liège. Voir la vidéo correspondante. Et Lucinum crocipodium, à chapeau plus clair, poussant sous différents feuillus à feuilles caduques, comme les chênes, les hêtres, mais aussi dans les bois mixtes. Voici ses spores. Ces trois variétés de Lucinum européen sont fort ressemblants, tellement proches qu'il est difficile de dire si les trois variétés mélangées dans le même panier sont reconnaissables. Le Lucinum corsicum n'est pas endémique à la Corse. On le rencontre aussi, comme je l'ai déjà précisé auparavant, dans d'autres forêts méditerranéennes. Donné comme comestible, mais de moins bonne qualité que le cep de Bordeaux, évidemment, il est quand même apprécié par les mycophages. Surtout que la sortie de ce champignon est assez tardive, contrairement aux autres boulets. Vous pouvez par exemple l'incorporer dans un mélange forestier. Sauter à l'huile d'olive, ail et persil, sel et poivre, quelques filaments de safran, et d'autres champignons comme l'actère, tricolum ou chanterelle en tube.
Le tout déposé sur une feuille de brique, cassez un œuf par-dessus, pliez la feuille en deux et faites frire dans un peu d'huile, environ 2 à 3 minutes, selon les goûts de chacun. Ce mélange est très appréciable. Apte à la dessiccation, mais le champignon devient noir. Beep, beep, beep.